「きっとあなたに会える」「繰り返すはやちのその度人はただ青い空の青さを知る」「あたしなく道をすすいて見えるけれど」 啦啦。嗯 Bonjour, bonjour. Alors j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour faire une séance un petit peu différente. Euh, on va parler de philo, mais on va parler aussi un petit peu d'histoire des arts. Alors je vous ai préparé... Une une série de petites ressources qui pourraient vous être utiles. En complément, je vous ai rédigé un petit, euh, un petit document où il y aura toutes les informations importantes sur le cours, mais si vous voulez prendre quelques notes, évidemment, euh, évidemment vous pouvez. Donc c'est de la philosophie, mais c'est aussi un peu de culture générale, et vous allez voir que ça entre entièrement euh, dans la thématique qu'on euh, qu fait en première actuellement euh, en spécialité. Donc, euh, juste petite info pendant que j'y pense au préalable. Pour les premières, il euh, y a un devoir à rendre pour la semaine prochaine, donc pour mercredi prochain ou pour vendredi prochain euh, en fonction des groupes. Euh, C'est juste la question d'interprétation sur le texte de Pascal, d'accord Donc, vous faites avec la méthode qu'il y avait dans le cours précédent et puis euh, vous, euh, vous traitez la question d'interprétation comme vous pouvez. Encore une fois, hein, vous faites ce que vous pouvez. Euh, il il s'agit vraiment de s'habituer à certains textes, mais euh, c'est normal si vous rencontrez certaines difficultés, ne vous affolez pas. Voilà. Bon, je commence euh, donc, euh, donc l'enregistrement sur cette thématique-là. On va réfléchir sur la, la question de la perspective en peinture et on va voir qu'en fait, il euh, y a un lien qui est très fort avec la, 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 la thématique qu'on est en train d'aborder en cours, à savoir l'idée qu'autour des 15e, 16e, 17e siècle, à l'époque moderne, on découvre que le monde n'est pas clos sur lui-même, sur le modèle du cosmos antique, mais bien plutôt un monde, euh, ou plutôt un univers infini, dont on ne connaît pas les limites parce que tout simplement, on, il n'y en a pas. Et euh, cette idée-là, on a vu qu'elle était absolument vertigineuse, elle faisait peur... Euh, aux, aux hommes, aux penseurs, elle déclenchait une certaine angoisse, c'est ce qu'on a vu avec Pascal, mais on va voir aujourd'hui qu'elle a aussi cette découverte, une influence considérable sur la pratique de la peinture, notamment en Occident. Et donc ce qu'on va essayer de faire, c'est essayer de voir dans l'histoire de la peinture ce que c'est que cette notion de perspective, comment elle évolue au siècle qui nous intéresse, et puis euh, est-ce que dans d'autres cultures, il y a d'autres types de perspectives qui se, qui se mettent en place et qui ne euh, seraient pas sur le même mode que euh, celles qu'on connaît nous. Alors commençons tout de suite euh, notre, euh, notre, notre escapade histoire des arts avec une période que vous connaissez, euh, qui est la préhistoire et avec la pratique Alaska. Euh, de, euh, de euh, l'art qu'on appelle l'art pariétal tout simplement parce que euh, c'est de l'art qui se fait sur les parois des grottes. Alors aujourd'hui encore les historiens de l'art euh, euh, ont du mal à s'accorder sur le, le, la question de savoir pourquoi est-ce que les hommes préhistoriques peignaient et peignaient notamment dans des grottes. On sait qu'ils peignaient à l'extérieur mais évidemment les aléas climatiques et euh, environnementaux ont fait que ces peintures-là ont disparu. Par contre, dans les grottes, on a... Euh l'immense privilège d'avoir de, de, pu conserver euh, ce qui avait été représenté et c'est intéressant de voir qu'en fait il euh, n'y avait pas euh, un but pratique à ces peintures là notamment à Lascaux c'est à dire c'était pas un, par exemple pour, euh, pour montrer des scènes de chasse pour montrer des endroits où il y avait plus de, euh, plus de, de, de bêtes qu'autre part mais c'était bien plutôt des fonctions symboliques et peut-être d'initiation un petit peu à une sphère sacrée de croyances un peu, euh, euh, voilà, de croyances peut-être euh, euh, un peu mythiques, symboliques, euh, euh, au sens de sacré en, en général. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'au niveau des techniques utilisées par euh, les peintres dès cette époque-là, à peu près 20 000 avant Jésus-Christ, euh, étaient déjà ces techniques hyper perfectionnées. En tout cas, il y avait une véritable recherche euh, de, euh, au niveau des couleurs, des pigments, mais aussi des, des matériaux utilisés pour que les peintures restent le plus longtemps possible. Notamment, ils mélangeaient leurs pigments avec de la graisse de renne parce qu'ils avaient remarqué que c'était beaucoup plus durable, pérenne dans le temps. Et donc, ils, euh, ils avaient bien une aspiration à rester dans une certaine postérité. En tout cas, ce qui est intéressant, quand on réfléchit à la notion de perspective, et peut-être avant de rentrer dans les exemples, il faudrait définir ce que c'est que la perspective. On appelle perspective, notamment en peinture, la recherche sur une surface en deux dimensions, donc le tableau, d'une profondeur et euh, d'une un, impression, d'une illusion de euh, trois dimensions. C'est-à-dire que sur un espace clos, qui est celui du tableau, et fini en deux dimensions, on cherche à créer un espace bien plus grand en trois dimensions. Vous allez voir que la perspective, elle se développe surtout à l'époque qui nous intéresse dans le cours, à savoir à partir du XVe siècle. Mais on remarque à Lascaux qu'il y avait déjà une recherche de perspective. Alors je ne sais pas si vous arrivez à voir bien sur, ce, sur, ce, sur ce, ce, ce morceau de, de grotte, euh, comment se construit la perspective, mais on le voit assez bien en fait dans le détail. Alors si je zoome, j'espère que vous allez continuer à voir, voilà. Au niveau des pattes, si vous regardez au niveau des pattes, il y a euh, une technique qui est utilisée et qui crée cet effet de profondeur. Est-ce que vous arrivez à voir ce que c'est ou pas Au niveau des pattes, est-ce que vous arrivez à voir ce qui crée l'effet de profondeur N'hésitez pas à répondre hein, euh, si, euh, si vous avez la réponse, si vous avez une idée de réponse. Elles sont un peu en arrière, effectivement, et qu'est-ce qui donne cet effet euh, euh, de, justement des pattes arrière On voit très bien, on distingue très bien la pâte qui est vers l'arrière et celle qui, euh, celle qui est devant. Grâce à quoi il y a euh, cet effet qui est créé, puisqu'on n'est bien que sur une paroi qui est en deux dimensions. Observez bien, notamment à la jointure entre les deux pattes. Bon, je vous donne la réponse alors. Euh, c'est euh, l'utilisation. Ah voilà, ce, ce, celles qui sont devant sont un peu plus euh, foncées, c'est exactement ça. C'est l'utilisation du blanc à la jointure des deux pattes, d'accord Vous voyez bien que en fait le blanc fait qu'on a l'impression que la deuxième patte est euh, plus, euh, euh, plus en profondeur que l'autre. Donc il euh, y a vraiment cette, cette, cette recherche de, de distinguer les, 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 les deux pattes de la bête pour bien qu'on qu ait l'impression d'être en trois dimensions. On va prendre euh, un autre exemple tout de suite puisque je vous ai préparé plusieurs. Euh, alors Pardon, voilà plusieurs exemples, donc on sort de là. Pardon, voilà là à nouveau. Regardez, on voit très bien ici. Voilà l'utilisation du blanc pour suggérer la pâte qui est au fond. Autre exemple voilà sur une grande scène comme ça, où vous avez ça, c'est une paroi de Lascaux. Et je vous recommande vivement si vous y êtes jamais allé d'aller de, de, voir, on organisera peut-être une sortie si on a le, la possibilité. Mais vous voyez que là, quand il y a plein d'animaux qui sont représentés, euh, on, on, on voit très bien les différentes distances auxquelles les animaux se trouvent. Et au niveau des pattes, on retrouve à chaque fois le jeu de profondeur qui est créé par cette utilisation du blanc. Donc... Euh, voilà pour Lasco. Ce qui est intéressant, c'est que euh, après cette période préhistorique, il euh, y a un oubli un petit peu des techniques de euh, perspective. Ah ouais, ce serait super une sortie à Lasco. Je suis tout à fait d'accord. On va organiser ça pour l'an prochain. <laughs> Donc, euh, après Lascaux et euh, après la période préhistorique en général, il y a une, un oubli un petit peu de la perspective. En tout cas, la peinture prend d'autres euh, objectifs. Je vous ai mis l'exemple de la peinture égyptienne, tout simplement parce que dans la peinture égyptienne, euh, il y a bien euh, des, des jeux sur les tailles des personnages qui pourraient suggérer une distance. Hein. Vous savez bien que quand vous voyez une photo, par exemple, et que vous voyez un personnage qui est tout petit alors qu'un autre à côté est très grand, euh, normalement, celui qui est tout petit, on, notre œil suggère qu'il est plus loin. En réalité, dans la peinture égyptienne, c'était pas du tout le cas, il n'y avait pas cette recherche de profondeur, parce qu'en fait, la taille des personnages dépendait de leur importance au niveau hiérarchique et au niveau euh, du pouvoir et au niveau social. Donc, le personnage le plus grand que vous voyez ici, en fait, il était juste plus important que les autres. Je vous ai mis un autre exemple, voilà, là on voit très bien euh, que euh, la taille des personnages ne dépend pas de leur distance, mais bien de leur importance par rapport au personnage principal, qui lui est très grand. Alors euh, ça c'est un point qui est intéressant, c'est-à-dire que là en fait le but de la peinture dans en Égypte antique, c'était pas du tout la recherche de profondeur, mais une représentation symbolique du statut euh, de euh, chaque personne. D'ailleurs petite remarque vous avez déjà euh, remarqué que euh, la peinture égyptienne est souvent caricaturée avec ce fameux recours au profil vous savez où on a parfois le voilà le personnage comme ça euh, c'est souvent caricaturé en réalité le but de, des peintres euh, des peintres en Égypte antique c'était de représenter un personnage sous toutes ses facettes c'est-à-dire on avait le visage de profil le buste de face les hanches de face et les pieds de profil pour essayer en, en quelque sorte de faire le tour de la personne, comme si on suggérait euh, qu'on qu en faisait le tour alors même qu'on est face à une, une image immobile. C'est ce qu'on appelle en peinture l'aspectivité, donc c'est une notion que vous pouvez avoir en tête, mais euh, bon, qui ne nous concerne pas exactement ici, mais en tout cas qui permet de, de comprendre pourquoi il faisait des représentations des hommes qui aujourd'hui nous paraissent... De cette petite interruption, euh, normalement, ça devrait remarcher, pardon. Est-ce que vous m'entendez bien Oui, c'est bon. Bon. Alors, nous en étions euh, à, la peinture, euh, à la peinture romaine. Excusez-moi pour ce, te, ce, ce petit. Euh, mon, mon micro a deux, trois soucis de, de branchement. Et, euh, et du, je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, on ne bouge plus. <laughs> euh, mon, mon micro qui s'appelle le Yeti, euh, il faut qu'il tienne au moins jusqu'au bout, là. Donc euh, on ne bouge plus. <laughs> Voilà. Alors, la peinture romaine, intéressant parce qu'on voit qu'il y a des recherches de perspective. Euh, les Romains étaient, euh, comme les Grecs d'ailleurs, euh, passionnés par les mathématiques. Donc, ils ont des recherches de profondeur, mais c'est encore assez maladroit au niveau des lignes. Donc, je vous ai mis quelques exemples, euh, il me semble. Donc, là... Là, regardez, on a une recherche de, euh, de, de perspective au niveau des bâtiments, mais on voit que c'est encore un peu maladroit. C'est-à-dire en fait, on a du mal à gérer ce qu'on appelle en peinture des lignes, des lignes de fuite qui correspondent en quelque sorte à ce que notre œil voit. Notre œil, en fait, il construit des lignes qui tendent toutes à se réunir vers ce qu'on appelle un point de fuite, qui est un point unique et qu'on va retrouver par, euh, par la suite. Donc. Époque romaine, regardez, recherche de perspective, mais encore un petit, peu, euh, un petit peu maladroit. Pareil au Moyen Âge, regardez, on a une recherche de profondeur, mais c'est pas hyper réaliste. En tout cas, il y a quelque chose qui, qui ne correspond, euh, correspond pas tout à fait euh, euh, à la réalité. Regardez ici aussi, euh, on a des personnages de différentes grandeurs, mais on a du mal à, à voir un petit peu la, 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 la profondeur. Les châteaux ont l'air de faire la même taille que les hommes, mais on ne voit pas qu'ils sont plus loin. En tout cas, c'est assez maladroit. Et euh, c'est peut-être pas tant qu'ils n'avaient pas les moyens techniques pour le faire. Peut-être que c'était juste parce que euh, le, 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 la recherche principale de la peinture n'était pas celle de la technique avant tout. D'accord Par rapport à ça, il va y avoir une rupture hyper importante. À partir du XVe siècle, à la période qu'on appelle la Renaissance italienne. Or, vous remarquez que le XVe siècle, c'est la période à partir de laquelle on avait vu en cours que les scientifiques, euh, les scientifiques commençaient à découvrir que le monde n'existait pas, euh, pas sous la forme du cosmos antique d'un tout cloisonné autour de l'homme et de la terre, mais d'un univers infini dans lequel l'homme était complètement décentré. Et en fait, les peintres vont chercher à s'approprier cette découverte pour la représenter en peinture et développer vraiment la perspective. Et vous allez voir que euh, le, la transition est assez, assez forte. Première étape, euh, un, un peintre qui s'appelle Lorenzetti qui peint euh, cette annonciation. Euh, et dans ce tableau, on a une recherche de perspective qui apparaît à quel niveau à quel niveau vous voyez qu'il y a une recherche vraiment mathématique qui suggère qu'il y a de la profondeur dans cette, dans cette salle où a lieu l'annonciation Où est-ce qu'on le voit très bien Est-ce que vous arrivez à voir ou pas? Eh oui, exactement au niveau du sol, c'est-à-dire qu'on voit très bien la recherche de profondeur au niveau du calcul de l'inclinaison des pavages sur le sol. Et donc, effectivement, Lorenzetti cherche là, on voit très bien, il met une colonne au centre, d'accord, pour situer le premier plan du tableau, et ensuite il construit son pavage au sol, de sorte à suggérer une petite pente qui, euh, qui appelle une certaine profondeur. D'accord Donc, ça, c'est la transition. Ce tableau, il date de 1344, donc 14e siècle. C'est le tout début de la Renaissance italienne. D'accord Donc, euh, Donc. Euh, il va y avoir à partir de là un développement des recherches de perspectives à partir d'outils euh, techniques qui vont justement chercher comment on va, euh, on va euh, euh, construire cette profondeur. Et effectivement, exactement, le, les carreaux deviennent plus petits et l'inclinaison change, ce qui fait que euh, au niveau du sol, on suggère un espace qui est, euh, qui est profond. Regardez-moi ce tableau de 1434, donc presque un siècle après, en tout cas 90 ans plus tard. Euh, C'est dans le nord de l'Europe, un, un peintre qui s'appelle Van Eyck, qui, re qui représente euh, un couple, les époux Arnolfini. D'accord Et dans ce tableau-là, on voit très bien déjà comment se construit l'effet de profondeur dans le tableau, c'est assez remarquable. D'autant qu'en fait, il y a une, un, un, un petit instrument euh, qui, euh, au mur qui agrandit encore plus l'espace. Quel est cet, euh, cet élément au mur qui agrandit encore, encore plus l'espace Je ne sais pas si vous le voyez bien. Donc accroché au mur, qu'est-ce que vous voyez <laughs> Exactement, donc c'est un miroir, effectivement. Euh, c'est euh, un miroir accroché au mur qui, euh, qui agrandit encore plus l'espace, puisque dans ce miroir, en fait, si vous regardez de près, on voit euh, très bien. Regardez, je vais essayer d'agrandir. Oula, je me suis peut-être un petit peu emballée. Voilà. Là, vous allez sans doute mieux voir. Regardez, on voit très bien notre couple de départ de dos, avec au milieu le peintre qui se peint en train de peindre. Donc on est sur effectivement du peintreception. Alors petite référence donc au film, je ne sais pas si vous l'avez vu de Christopher Nolan qui s'appelle Inception, euh, qui est un film dans lequel il y a un jeu euh, d'enchassement des rêves entre eux. Euh, en tout cas, euh, ici, on voit très bien le peintre en train de se peindre. Et du coup, non seulement l'espace est agrandi en profondeur, mais aussi du côté du peintre lui-même. D'accord Donc on a un agrandissement qui euh, se joue de tous les côtés. Autre exemple, et là, on va marquer une, une, une rupture absolument radicale. Ce, euh, euh, ce, ce, ce tableau constitue vraiment un, un changement. C'est un tableau de Piero della Francesca, un peintre du XVe siècle, qu'on appelle euh, la flagellation du Christ, et dans lequel Piero della Francesca met en œuvre toutes les découvertes techniques, mathématiques, euh, toutes les réflexions scientifiques qui euh, permettent d'agrandir l'espace. J'explique. Piero della Francesca se base pour construire ce tableau sur un traité de peinture rédigé par un peintre et un savant de, de l'époque italien qui s'appelle Alberti et qui dans un traité de peinture explique aux peintres comment euh, suggérer dans leur tableau euh, un espace dont on sait désormais qu'il est infini. Pour cela il faut recourir aux mathématiques, chose que l'on voit très bien au niveau du sol à nouveau mais cette fois aussi au niveau euh, des colonnes et au niveau du plafond. Au-dessus duquel le Christ euh, est, en, est en train d'être flagellé. Donc, si vous regardez un petit peu, on va agrandir. Regardez, au niveau du plafond, on a cet effet-là de profondeur qui est créé, et au niveau du sol, du pavage aussi. D'accord Par ailleurs, Alberti développe l'idée que pour suggérer une profondeur dans un tableau, il faut utiliser comme point de repère la figure humaine. Pourquoi Parce que si vous regardez sur ce tableau, sur la droite du tableau, vous avez trois personnages en grand, ceux-là, qui en quelque sorte servent de point de repère à la construction des échelles du reste du tableau. Pourquoi Parce que par rapport à ces personnages, du coup on, on, on suggère que l'église euh, juste derrière eux est beaucoup plus loin, que la colonne... Euh, à la gauche du personnage en violet est aussi plus loin et que les autres personnages au fond sont bien plus loin et euh, ça permet d'agrandir l'espace. Pierrot de la Francesca va même plus loin puisqu'il va jusqu'à jusqu suggérer, pardon, tout au fond, un escalier qui monte à l'étage et donc qui agrandit encore plus l'espace. D'accord Pour Alberti, le but d'un tableau à l'époque, c'est d'ouvrir une fenêtre sur le monde dans laquelle. Euh, on pourrait suggérer que l'espace est infini, chose que l'on voit très bien par exemple à travers l'utilisation du ciel ou encore de l'escalier au loin, mais aussi dans laquelle on replace l'homme au centre, comme si en fait on essayait de combattre le vertige créé par l'espace infini par le fait qu'on garde comme point de repère la figure humaine. C'est grâce à la taille de l'homme qu'on construit les échelles désormais. D'accord Donc il y a un double mouvement à partir de cette époque-là. D'un côté, on suggère que l'espace est infini. De l'autre, on prend la figure humaine comme point de repère pour construire l'espace du tableau. D'accord Et dans ce tableau-là, on voit très bien l'effet de profondeur qui est suggéré. Il y a certains historiens de l'art, petite anecdote, qui interprètent le clocher au loin que vous voyez là, sur lequel je vais zoomer. Le clocher au loin, là dans lequel vous remarquez qu'il n'y a pas de cloche. Ben, certains historiens de l'art interprètent cela comme étant euh, le, le, la, le, la perte de sens associée euh, au, au, à la découverte de l'espace de l'univers infini. Alors excusez-moi, je ne sais pas pourquoi mon ordi m'affiche ça maintenant. Voilà, donc euh, absence de cloche qui suggérerait une crise de la religion face à la découverte de cet espace infini. Or, on a bien vu dans le cours que euh, les découvertes scientifiques de Copernic, de Galilée, de Giordano Bruno, Tycho Brahe, etc., avaient effectivement mis en crise le discours religieux. Donc, c'est une interprétation qui est tout à fait plausible. Je vous ai mis d'autres exemples de cette peinture, de cette perspective, pardon, qu'on appelle la perspective linéaire à la Renaissance italienne. Regardez là. Alors là, on n'a pas la figure humaine, par contre, on a exactement la construction des points de fuite, c'est-à-dire toutes les lignes tendent à se rejoindre vers le bâtiment central au milieu, ce qui crée un, un, un effet de profondeur. Ce tableau là dans lequel on a à nouveau la construction d'un point de fuite en plein milieu du tableau, avec toutes les lignes qui se rejoignent vers ce bâtiment central, et avec cette fois l'utilisation, comme le prône Alberti, de la figure humaine comme euh, point pour prendre l'échelle du reste de l'espace. D'accord? Et ensuite, je voulais vous montrer quelques exemples. Dans la suite de l'histoire de la peinture, on a cette utilisation des découvertes de la perspective linéaire. Au cours de l'histoire de l'art, je vous ai mis seulement quelques exemples, mais les exemples sont innombrables. Par exemple, ici, les Ménines de Velasquez, peint en 1656, d'accord. On a à nouveau le peintre qui joue avec l'espace, puisque le peintre se représente lui-même sur la gauche du tableau. Vous le voyez debout avec sa palette. En face de lui, il a son immense toile, et donc euh, le spectateur, donc nous, sommes placés à la place de ce qu'il est en train de peindre dont on suggère dont on devine pardon l'identité grâce à nouveau à l'utilisation dans le fond du miroir dans lequel on voit un couple qui est en fait le couple royal Velázquez accentue lui aussi l'infinité de l'espace grâce à l'utilisation de l'escalier tout au fond et euh, au, au jeu de lumière qui est qui est qu'on voit très très bien ici donc utilisation très classique de la perspective linéaire au xviie siècle autre exemple plus tardif cette fois 19e siècle, regardez pardon, ce, ce, ce tableau, c'est un peintre qui s'appelle Caillebotte, le, les raboteurs de parquet, 1875. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que les peintres de cette époque-là, 19e, utilisent la découverte de la photographie pour peaufiner leur euh, construction de la perspective linéaire. Donc on suggère à nouveau un espace infini à partir d'un simple tableau. Autre exemple, un autre tableau de Caillebotte, où on voit très bien à nouveau, avec cette utilisation de la figure humaine comme échelle, pour construire de l'espace gigantesque. Ici, on voit une rue de, euh, de Paris. Enfin, 20e siècle, les peintres qui maîtrisent très bien la perspective s'amusent aussi à la déconstruire, à en faire autre chose. On le voit très bien ici dans un tableau de Robert Delaunay qui représente la tour Eiffel, où on a un jeu de déconstruction de la perspective avec euh, un jeu sur l'espace et sur les formes qui caractérisent très bien le cubisme. C'est pas notre question ici, mais je voulais vous montrer l'évolution de la perspective. Enfin, dernier tableau, jeu sur la perspective par David Hockney, un peintre anglais, qui justement, à travers le, le, la sinuosité des routes, joue sur la construction d'un espace profond en utilisant la perspective linéaire classique, mais en en faisant une interprétation euh, singulière et, euh, et subjective. Si on en revient à notre péri à la période qui nous intéresse, à savoir la Renaissance italienne, je rappelle ce que j'ai dit, à savoir que le but d'un tableau à l'époque de la Renaissance italienne, donc souvenez-vous, 15e, 16e, jusqu'à, on va dire, fin du 16e siècle, le but c'est de construire un espace infini dans un tableau clos en deux dimensions, en utilisant la figure humaine comme euh, échelle pour construire la, la profondeur. D'accord cette euh, place-là, accordée à l'humain dans l'infinité de l'espace, en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'elle est purement culturelle. Et c'est ce que je voudrais vous montrer pour finir. Pourquoi elle est pleinement culturelle Parce que c'est seulement en Occident qu'on a placé le sujet humain comme point central qui servirait de point de repère, désormais, à un espace dont on sait qu'il est infini. D'accord Donc on se replie sur la figure humaine. En quelque sorte on peut imaginer pour se rassurer, pour placer l'homme au centre, ce qu'on pourrait appeler littéralement un, une forme d'anthropocentrisme, on place l'homme au centre, d'accord Donc ici, la figure humaine est placée au centre et sert de point de repère. À toutes les échelles, on le voit très bien sur ce tableau de Raphaël euh, qui représente euh, l'école d'Athènes avec les grands philosophes antiques, notamment au centre. Vous les voyez ici Platon d'un côté à gauche et Aristote à droite. D'accord, avec plein d'autres penseurs hein. on a Héraclite en bas, on a euh, Diogène ici, on a Épicure un peu plus loin. Enfin, voilà, c'est un tableau très classique représentant les, les philosophes. Ce qui est intéressant, c'est de comparer avec la perspective construite dans d'autres euh, peintures, notamment en Orient. Et on va étudier du coup quelques tableaux de la peinture chinoise et japonaise. Je vous explique tout de suite. Peinture chinoise, on est au Xe siècle, donc bien avant la Renaissance italienne. Hein. Dans la peinture chinoise, on a la construction d'un espace, donc vous voyez qu'il est profond. Puisqu'on a la représentation d'une montagne avec, vous le voyez sur la droite, une cascade ici, d'accord euh, Et on a bien un effet de profondeur qui est créé. Cet effet de profondeur, il n'est pas euh, du même type que la perspective linéaire occidentale. Pourquoi Parce qu'en en fait, il ne prend pas le même point de vue. Quand on lit les traités de la peinture chinoise, on constate que euh, le but n'est pas de créer... Une ligne de fuite comme c'est le cas pour les peintres italiens de la Renaissance, mais le but est de donner une vision de l'espace infini à partir d'un regard qui serait celui du regard d'un oiseau. D'accord Donc, effectivement, si on observe ce tableau en connaissance, on se rend compte que le point de vue qui est choisi par le peintre qui s'appelle Fan Quan du Xe siècle, c'est celui qui est du point de vue de la hauteur de, éventuellement, des yeux d'un oiseau. D'accord Et on a un espace infini qui est suggéré. Sauf que, à la différence de euh, la peinture occidentale, qu'est-ce qu'il manque dans ce tableau Qu'est-ce qu'il n'y a pas du tout, alors qu'on a vu qu'elle était centrale dans la peinture de la Renaissance italienne et dans la perspective linéaire Qu'est-ce qu'il n'y a pas ici qui sert de point de repère Est-ce que vous arrivez à voir ou pas alors, effectivement, on n'a pas le jeu sur les couleurs tout à fait. Qu'est-ce qu'on n'a pas d'autre qui est hyper important Eh oui, exactement. On n'a pas du tout l'utilisation de l'homme comme figure centrale pour servir d'échelle à la construction des autres éléments. L'homme disparaît dans un espace infini immense. Ce n'est donc pas du tout une peinture anthropocentrée. L'homme n'est pas du tout placé au centre de l'espace infini. L'espace est infini, la nature est immense, vertigineuse, et l'homme n'est rien par rapport à cet espace-là, cette infinité-là. Je vous ai mis plein d'autres exemples, regardez. Alors. Mince, pardon. Autre exemple, vous voyez très bien, ici à nouveau pas de couleur, mais, non plus, mais pas de figure humaine non plus, sauf en bas vous remarquez peut-être une toute petite maison, vous le marque ici, mais la maison est tellement petite par rapport au reste du tableau qu'en fait elle est dérisoire par rapport à l'immensité des montagnes, d'accord Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a une perspective qu'on appelle une perspective aérienne ou atmosphérique, dans laquelle on retrouve à nouveau l'utilisation du blanc aux jointures, comme on l'a vu à Lascaux, pour suggérer différents plans des montagnes. D'accord Donc regardez ici, vous voyez très bien l'utilisation du blanc pour suggérer que la montagne derrière est effectivement plus au fond que celle de, euh, de devant au premier plan. Donc ce tableau du même peintre, autre exemple. Ici, ici à nouveau, vous voyez la montagne immense et vous voyez une figure humaine mais qui est ridicule tout en bas par rapport à l'immensité de la montagne. Donc c'est pas l'homme du tout qui est placé au centre de cette perspective-là. On va je fais défiler quelques autres exemples ici aussi à nouveau avec les toutes petites barques sur le, la, sur le lac qui suggèrent la petitesse de l'homme dans l'espace infini ici aussi à nouveau encore ici ici aussi on voit très bien le, on voit très bien le, 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 la perspective aérienne vue du, des yeux d'un oiseau Ici avec la brume, cette fois on passe au Japon, une estampe du XXe siècle, plus tardive mais dans laquelle on retrouve cette tradition-là. Regardez ici, présence humaine disparaît, pas besoin de l'échelle de l'homme pour suggérer l'immensité de l'espace avec en plus le côté euh, euh, sublime dans le sens où on l'a vu la dernière fois de la brume. Ici la perspective de l'oiseau, regardez la contre-plongée vers... Le, euh, le, 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 le navigateur, l'homme le, au milieu. Et regardez quelques estampes japonaises du XXe siècle avec cette présence de l'homme, mais qui est dérisoire par rapport à l'infinité de l'espace. Enfin, je voulais vous montrer ce dernier exemple, qui est un peintre japonais contemporain, qui s'appelle Hiramatsu Raiji, qui est passionné de peinture, et de peinture à la fois japonaise et française notamment de Claude Monet et en fait ce qui est intéressant c'est que dans ces tableaux à Ieramatsu Reiji il utilise la double influence japonaise et occidentale pour construire la profondeur donc là dans celui-ci par exemple on voit très bien l'influence de la peinture japonaise d'accord avec effectivement cet effet de profondeur et cette vue des yeux d'un oiseau, cette présence de l'homme qui est dérisoire ici aussi cette contre-plongée vers l'oiseau et enfin ici, dernière contre-plongée d'un oiseau avec espace infini suggéré par le reflet des nuages dans l'eau. Et cette construction euh, du tableau en contre-plongée, d'accord Et euh, la représentation des fameux nénuphars, autrement appelés nymphées, qui a constitué un des motifs centraux de la peinture d'un impressionniste français qui est Claude Monet. D'accord Donc... Voilà, on a terminé ce petit, euh, cette petite excursion pardon, en histoire des arts. Ça nous permet bien de, mont de, de montrer que euh, la révolution scientifique qu'on a décrite, nous, euh, autour des 15e, 16e siècles, elle a une influence aussi sur la pratique de la peinture en Occident, d'accord Avec cette idée que désormais, les peintres, à partir de la Renaissance italienne, utilisent la perspective linéaire pour euh, suggérer un espace infini, mais espace infini dans lequel c'est l'homme qui sert de point de repère pour construire l'échelle des tailles des différents éléments en présence. Cette idée-là, on l'a mise en comparaison et même en opposition avec la perspective de type aérienne ou atmosphérique que l'on trouve dans la peinture orientale, principalement chinoise et japonaise, dans laquelle ben, l'homme n'a pas une place centrale. D'accord Et alors en fait, cette idée-là qu'on a illustrée en peinture, c'est très intéressant parce qu'au niveau philosophique, ben, c'est une idée qu'on va retrouver. On va voir qu'à partir du euh, 16e, 17e siècle, en Occident, notamment en France, l'homme et le sujet humain va avoir une place hyper privilégiée dans la pensée philosophique notamment à travers la figure du sujet qu'on verra avec, euh, avec la pensée de, Descart de Descartes, pardon, de René Descartes l'an prochain, d'accord Donc il va y avoir une place centrale accordée à l'homme dans la philosophie occidentale, alors que ce qu'on verra l'an prochain, c'est que dans la philosophie orientale, principalement dans la pensée japonaise que je connais mieux, le sujet humain n'a pas du tout une place centrale, il n'est qu'un élément de la nature parmi d'autres, qui n'a pas de, rôle, de, de statut privilégié par rapport aux autres êtres, qu'ils soient animés, donc les autres animaux ou plantes, mais aussi inanimés, les montagnes, les pierres, l'eau, etc. Donc voilà, j'espère que euh, ça vous a intéressé, que ça vous a plu, je pourrais vous donner tous les documents que je vous ai montrés, je les ai rassemblés dans un dossier exprès pour vous, et je vais vous envoyer après. Ce document-là que je vous ai rédigé, je vous montre tout de suite, euh, voilà, sur la perspective en peinture, avec les lignes essentielles de ce qu'on a dit. Dans ce document-là, je vous ai mis les textes dont j'ai parlé, d'Alberti, avec cette idée euh, d'une construction d'un espace infini, cette fenêtre ouverte sur le monde grâce au tableau, et euh, cette place centrale accordée à l'homme, avec enfin la référence pardon à la peinture chinoise dans laquelle on a l'être humain qui est décentré. Voilà. Donc euh, pour euh, ben voilà ce qui arrive à la fin, euh, je le mettrai en replay évidemment sur YouTube donc vous inquiétez pas, vous pourrez écouter euh, sans aucun problème. Je vous souhaite une bonne soirée, j'ai hâte de vous retrouver, j'espère que ça vous a intéressé. On se retrouve la semaine prochaine. Et puis euh, des bises. bon week-end.